Le grand sphinx. Plus petit que je ne l'imaginais. Une entrée cachée. Depuis quand est-elle là? Une impasse. Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir un passage. Paramon, qu'est-ce que c'est que ça? Égyptiens. Retransmission, segment 6, acquisition de contemporanéité. 109 jours se sont écoulés depuis la grande catastrophe.
Le messager parle. Éveillez-vous. Pas d'un sommeil sans rêve ou sans lumière. D'une réalité qui ne sera bientôt plus. Éveillez-vous. Le prochain chapitre est inéluctable. Et pourtant, les plus grands bouleversements ne trouvent-ils pas leur origine dans les confins de l'impossible ? Ouvrez votre esprit, changez votre perception. Arrêtez ce monde, bâtissez quelque chose de nouveau. La destinée n'est pas sans ironie. Je suis là à implorer un être inférieur de faire l'impossible. En cet instant intemporel, nous formons une passerelle. Nous sommes d'époques différentes et nous nous rencontrons à l'étranglement du sablier qui contient cet océan de poussière. Indiquer le temps ne suffit pas. Il faut l'appréhender. Et l'humicide minéral. Et ce faisant, éluder l'inéludable. Remplissez les blancs, ceux qui se cachent entre les mots, entre les mondes. Identifiez les espaces ineffacés, les variables qui ont fini par nous effacer. Sinon, elles vous effaceront vous aussi. Le temps compte une histoire qui prend fin avec nous, et il en compte une qui prend fin avec vous. Un jour, une nouvelle histoire commencera. Lorsque les fonctions qui régissent nos jours se seront éparpillées en nombre aléatoire. Nous avons cru en l'ordre. Nous pensions qu'il nous aiderait à diriger le monde. Nous nous trompions. L'ordre ne nous a jamais servi. Il nous a maintenus au sein du code, dans ses limites. Il nous a fait croire que nous écrivions les règles alors qu'il nous menait inéluctablement vers notre conclusion. Vous devez les enfreindre. Vous, plus que tout autre, connaissez la valeur de la désobéissance. Prenez un virage inattendu, éloignez-vous du chemin tracé devant vous. L'Animus fut la première tentative inconsciente de l'humanité pour cerner l'invisible, pour comprendre les mémoires génétiques, un œil sur l'histoire. Mais l'Animus présente un défaut crucial. Comme nous, il suit les règles de ceux qui constituent l'ordre. Il permet de voir, mais pas de modifier. Votre Animus est différent, à l'image de l'esprit qu'il a conçu. Il peut échapper au code. Il permet cette rupture, cette décision qui va mettre en échec l'ordre des choses. Éveillez-vous. Soyez le chaos qui s'en vient. Les dieux sont comme vous et moi. Rappelez-vous,